Salut à tous, on est mardi matin. Je m'apprête à faire ma deuxième séance de blanchiment dentaire. Je ne vais pas dire que la première séance m'a blanchi les dents parce que ce serait faux, pas encore. Par contre, j'ai ressenti aucune gêne en termes de, vous savez, picotement, genre de truc, chose que j'avais ressenti avec l'autre marque. Donc j'avais arrêté tout de suite et je m'étais dit, si avec celui-là ça fait ça, c'est rédhibitoire. Mais vu qu'il prenait le soin, sensibilité, enfin que c'était génial, c'est top. Donc je fais ça et je vous reprends juste après. Ça y est, les 9 minutes sont terminées. Toujours aucune sensation désagréable, donc ça c'est cool. Du coup, les 9 minutes passent beaucoup plus vite, puis tu peux faire autre chose. Vous avez vu, en fait, il y a trois adaptateurs. Et moi, ça ne va pas sur mon téléphone, c'est bizarre. Donc, il y en a un autre qui va sur l'ordi, c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'il faut une bonne semaine pour voir le début des résultats. Peut-être un peu moins, hein. De toute façon, je vous dirai au fur et à mesure si je vois un truc. Le jour où je vois un net mieux, je vous en parle. Par contre, regardez. C'est le déluge et j'étais dans l'optique, j'aime bien aller à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde, à aller chez Action ou faire mes courses. Bon, on va attendre un peu. J'en profite pendant qu'il fait pourri, je ne vous ai pas montré ma tenue. Oh, vous la connaissez, hein. C'était les deux choses que j'avais achetées chez... Là encore complètement foufou. Kiabi, par contre, je suis encore en rade, je n'ai pas de pantalon. Faut que je me trouve des bas de côte ou des pantalons un petit peu pattes d'éléphant, mais il faudrait que j'aille dans des grossistes. Je vois dans les villes à côté de chez moi, c'est plus sympa. Ouais. Pour l'heure, j'ai très envie d'aller faire ce que je dois faire, mais vu le temps... Oh, il est midi 23, je vais manger et Eric est rentré en plus. Je viens de sortir ça du frigo, j'ai fait des pâtes aux spaghettis au basilic poulet hier soir. Et je vais me faire les restes, ça va être parfait. Jack, mais je sais pas ce qu'il a. Tu t'arrêtes. Hein? Non. Et j'ai enfin trouvé comment faire parce que c'était hyper terne l'image, j'ai l'impression que c'est mieux là. Je suis en train de faire chauffer les spaghettis, tu les veux peut-être? Mais t'as mangé, tiens? Ah, j'ai mangé les sandwichs. Ah oui, tu m'as dit, c'était pas terrible. Ah oui, mais là, c'est trop blanc, là. Je suis désolée, je suis en plein test en même temps. Je vais me péter. C'est bizarre, l'image. Par moments, c'est très très net. Et d'autres... Je sais pas. Et voilà la pasta rigoli. Oui, c'est bien schématisé de manière générale. Je pense que l'idée... Je viens d'arriver. C'est plutôt cool qu'Action soit ouvert entre midi et deux. Bon, déjà, il y a beaucoup moins de monde et ça me laisse toute l'après-midi pour bosser. Alors, je ferai comme d'hab, c'est-à-dire que ce que je vais trouver sympa, mais que je n'achèterai pas, je vous montrerai. Le reste, ce sera pour le haul que je ferai soit en vidéo dédiée, soit directement incorporé dans ce vlog. Alors ça, ça peut être sympa aussi pour une petite déco, un truc d'ambiance. Si je vous le montre, c'est que je ne l'ai pas pris. Regardez, mes pieds en plexi sont de retour. Je sais que vous m'aviez demandé. Et ça rend super bien quand tu mets un abat-jour et tout. Je sais que c'était, il y avait une autre couleur, mais là, ils n'ont pas tout, tout, tout. Ça aussi, une petite lampe comme ça, posée sur un bureau. Ça rend pas mal. J'ai décidé que j'allais tourner. Je suis rentrée. Hein. Que j'allais tourner le haut, là, tout de suite. Donc, ça veut dire que, normalement, vous l'aurez vu hier, si tout est bien. Il fait un temps. Vaut mieux rester chez soi quand même. C'est tout le point de haut. Attends. Ensuite, j'ai trouvé ce petit spécimen. Non, pas du tout. Ça avance, ça avance. Il reste quelques secondes. Et regardez, le ciel bleu est de nouveau revenu. C'est cool. Et dès que j'ai terminé, là, tout ce qui reste, dans quelques minutes, miniature et compagnie, eh bien, je range. Parce que ça, c'était pour faire des essais. Là, le plaid, j'avais besoin pour autre chose à côté. Et monsieur a bien squatté. Ça va bébé ça? Les beaux! J'ai terminé, je me suis changée comme vous le voyez. J'attendais qu'Eric rentre pour qu'on aille au sport. J'ai fait une coiffure, donc j'attache mes cheveux plus pratiques quand je vais marcher, courir et tout. C'est pas du rouge à lèvres que j'ai mis, c'est un labello en fait, un hydratant. Et à chaque fois je me fais avoir. La fenêtre est ouverte, hein, c'est vrai. Et c'est hyper rouge. Bon, c'est pas bien gênant. Je suis contente, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais. Enfin, oui et non, parce que la partie rangement de ma maison... Je crois
que je vais être obligée de m'octroyer une journée où je vais me consacrer uniquement à ça, parce que c'est bien joli de vouloir faire du contenu YouTube et tout, mais à un moment donné, t'en oublies ta vie, t'en oublies la maison, et il faut pas, c'est pas bien. Donc il faut que je passe le break, je pense que je le ferai demain. On avait un nouvel endroit, mais en fait il y a trop de vent, c'est pas top là, il faut qu'on change de site. Eh ben, on n'est pas les seuls hein, à avoir l'idée de marcher. Il est 18h, mais c'est vrai que ça caille. On va rentrer, je pense, dans la forêt, ça sera mieux. Un de ces vents. Ouais, je crois qu'en fait, on se prend un arbre sur la tronche. On est rentré, cette angoisse. On est parti dans les bois. Il y avait un mec chelou. Je sais pas ce qu'il faisait, il avait un truc dans les mains, il était en train de monter un truc et tout, dans une cabane et tout. Et les 3 minutes après qu'on passe devant dans la forêt, on entend un boum, boum, comme des coups de feu. J'étais mais en panique. Alors Eric il dit, mais non, enfin, t'es avec moi, tu crains rien. Oui, mais enfin, face à une arme, mon prof d'aïkido m'a toujours dit, face à une arme, tu peux rien faire. Bref, on est parti, on est sorti de la forêt, on est parti après dans la pampa, on est revenu. J'ai mal au tibia, tellement j'ai marché vite. Truc de malade, j'avais peur qu'ils nous courent. Bref, on est rentré, on a fait un parcours plus petit, mais j'étais tellement rapide que j'ai quand même fait monter le cardio. Je suis mais persuadée qu'Eric faisait genre qu'il n'avait pas peur, mais qu'au fond de lui, lui aussi s'est fait des films, parce que ouais, je m'en suis fait digne de Spielberg, de tout ce que tu veux en fait. Mais c'est obligé, le gars, mais qu'est-ce qu'il foutait dans cette cabane, dans la pénombre, à parler tout seul, à monter un truc, je ne sais pas. Eric me dit ça, sauf que c'était une canne à pêche. Ouais, peut-être, mais peut-être pas en fait. Oh là là, je me faisais déjà des films de pélos se retrouver inerte dans la forêt. Oh, maman a eu peur, tu sais. Ça y est, je suis douchée. Ça, par exemple, ça fait partie des choses que je vais, enfin que je dois ranger. Ça doit être dans la pièce, dans la chambre qui est là. Je dois me débarrasser de tout ça. Bref, j'ai un rangement, vous l'imaginez même pas, dans ma chambre, en bas. Je vais faire ça demain. Vous voyez ce qui se passe? Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de l'image. Est-ce que c'est terne? Est-ce que c'est fade? J'arrive pas à définir. Comme c'est complètement différent de l'autre. Ça m'intéresse vraiment que vous me donniez vos rapports, parce qu'il y en a qui regardent sur tablette, sur smartphone, sur télé, et le rendu est peut-être différent. Donc, on écrit. On éteint tout, on coupe, parce que sinon je coupe pas, et j'ai fait beaucoup, beaucoup trop d'écran. Voilà, ça c'est bon, c'est publié. Buonanotte. Ah non, il faut que j'enlève ça. Yep. J'ai pas envie de faire à manger, mais je suis vraiment pas motivée. Vous savez évidemment ce que j'ai envie de prendre, mais ce serait pas raisonnable. Mais quand même, devant une petite série, ce serait cool. Je vous pose là pour discuter un peu, ça va? Vous me voyez? Oui, donc je vous disais tout à l'heure par rapport à demain que je ne vloguerai pas et tout, parce que je vais consacrer ma journée à faire du tri, du rangement, tout ça. Je vais même réaménager certains éléments de la maison. Par contre, je pense que ça peut être intéressant, et en plus ça serait une carotte pour moi. Dès que tout sera terminé, donc le lendemain logiquement, je vous montrerai le résultat. On est quand? Donc demain sera mercredi et le lendemain ça sera le jeudi. Jeudi j'ai rendez-vous chez mon ostéopathe d'ailleurs. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le programme pour demain. Et je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Ah oui, ce week-end aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais lancé une invitation comme ça quand j'invitais à une soirée. Et du coup, j'ai une dizaine de personnes qui viennent ce week-end à la maison. Donc, ça tombe très bien que je fasse du rangement et tout ça, et tout ça, tout ça. Je vous montrerai, je pense, comment je vais procéder, parce que je vais faire des petites toasts, je vais faire plein de petites choses. Donc, préparation d'une et organisation d'une soirée. Ça peut être sympa. Voilà. Comme je vous disais, j'ai pas encore fait à manger, je suis pas motivée. Je vais gratter à la porte gentiment d'Eric. Je vais dire, bébé, tu crois qu'on pourrait... Ah, ouais, mais je peux même pas aller chercher quelque chose, je suis en mode déjà pyjama, moi. Je sais pas, donc je vais négocier tout ça. En attendant, vu que la soirée ça va être simple, ça va être on mange, je regarde ma série un peu comme d'hab en ce moment. Je clôture maintenant, je pense que ce vlog aura pas été
hyper long. Je me rattraperai dans les prochains vlogs avec des trucs intéressants. Donc voilà, vous l'aurez peut-être vu, je vlogue plus tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que je pense que c'est plus judicieux de vloguer quand il se passe un petit peu quelque chose, en tout cas de plus intéressant, ou que j'ai des choses à vous montrer, que je reçois des choses. Voilà. Mais quand c'est des journées comme demain, ça va être de rangement, de trucs, on s'en fout un petit peu. Enfin, en tout cas, vous, c'est pas top, quoi. Bon, ben voilà, je clôture maintenant ce petit vlog. Et ben, on se dit à après-demain, je pense. Allez, salut!